avec Lauren. Salut. Et nous allons vous présenter à partir d'aujourd'hui un nouveau let's play. Il s'agit d'un let's play sur le jeu Undertale, sorti... Alors encore une fois, on verra si on fait un let's play ou pas. Mais oui, on fait un let's play. Sorti donc entre 2015 et 2017, enfin ça c'est sa période de dev, donc sorti officiellement en 2017. Il s'agit d'un jeu donc dont le monsieur a tout fait. Toby Fox. Voilà. Il a tout non, fait. Il a pas tout fait. Sauf certains graphismes, tu veux dire. La plupart des graphismes sont faits par une amie à lui, donc j'ai oublié le nom. Ouais. La peau, t'as oublié son nom. Mais à part ça, sinon, globalement, c'est un gars dans son garage, il a fait ça. Il a eu un crowdfunding quand même. Oui, mais il l'a fait dans son garage. Il n'avait pas d'équipe. Dans son garage, non, mais il n'avait pas d'équipe et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? On a déjà. Mais lui, c'est un compositeur. Si, fun anecdote. Que j'avais dit l'autre fois aussi. Le gars, à la base, c'est un compositeur de musique. Et depuis, grâce à Undertale, avec lequel il a eu pas mal de notoriété, il a été engagé par Pokémon Company ou Game Freaks, je crois. Oui, c'est ça, Game Freaks. Et il a signé quelques morceaux dans Pokémon Épée et Bouclier. Et quand on dit, il avait dit la dernière fois, en fait c'est la deuxième fois qu'on enregistre le premier épisode. La première fois, on a eu des soucis techniques et le jeu était en anglais. Et on était mauvais. Non, j'étais mauvaise. Parce non, en anglais. Ah, c'est pas qu'on est mauvais, c'est juste que la traduction à la volée, quand on découvre l'histoire comme moi, c'est un peu chaud. Voilà. Mais on n'était pas... Enfin, on comprend et c'est juste que le temps de lire, puis vous traduire, puis anticiper sur le texte suivant, c'est un peu chaud pour nous, pour l'instant. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait un patch pour pouvoir le passer en français, donc j'ai installé le patch, et du coup, on va pouvoir le faire en français. Je pense qu'on a assez blablaté et qu'on va pouvoir y aller. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Avec un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre. Là, on avait tout bon pour l'instant. Ah non, mais on était globalement ok, c'est juste. 20 années passèrent. On prenait trop de temps. Oui. Mon et Bot, année 2010 quelque chose. On raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Et donc notre personnage qui n'est jamais défini dans notre jeu si c'est un homme ou une femme, enfin un garçon ou une fille plutôt, voilà, tombe dans un trou. D'ailleurs du coup on verra comment c'est accordé, du coup je suppose que c'est accordé au masculin, en français. On va voir. Ah, vous entendrez peut-être des voix bizarres, c'est le chat. Undertale. Alors... C'est avec mon téléphone. Alors, du coup, comme je vous avais dit, on avait déjà fait une partie, on avait fait les 16 premières minutes. Ah, et encore. Oui. Reset. Je suis au courant, du coup, on reset. Oui. Je garde mon nom. C'est juste... Voilà. Le jeu, esthétiquement, est particulier. Il a ses parties pris, quoi. C'est pas... Ah bah au début, on trouve ça moche. Mais... Ensuite, on s'y habitue. Et ensuite, on trouve ça super joli. Coucou! Moi, c'est Flowey! Flowey la fleur! C'est trop bon. Pardon, je vais me mettre la main dans la bouche, j'ai envie de... Vas-y, il considère qu'on l'a déjà fait, du coup. Eh ben... Destruction de sauvegarde. Ce n'est pas les sauvegardes que vous cherchez. On revient. Parfait, nous voilà. Donc là, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. J'ai tout reset. Et on va donc commencer le jeu. Donc là, on a les commandes. Là, c'est maintenir escape, effectivement. Donc la seule info qui vous est utile à vous, c'est si mes PV atteignent 0, je perds. Yeah. Ah oui, chose qu'on n'a pas dit, mais que vous avez peut-être remarqué, c'est moi qui joue cette fois. Ça risque d'être un peu plus laborieux. Si peu. Ah oui. C'est un humain, t'as vu? Oui. C'est pas une humaine. Je vais te poser la même question que je t'avais posée la dernière fois. Combien t'autorises-tu d'essais sur les boss?
Je te dis ce qu'il faudra. Je suis persévérante. Par contre, je ne garantis pas de tout laisser au montage parce que ça risque d'être long. Tu as mal prononcé indéterminé. C'est grave. Non. Bon. Donc, Dorémy. On voit la souris sur. Ah oui. Je l'ai bien. On la voit plus. Yep, dans un champ de fleurs. Nous revoilà. Donc, on s'est réveillé après être tombé. Coucou, moi c'est Flowey. Flowey la fleur. Tu viens de débarquer dans l'outre-monde, non? Mince alors, je serais totalement perdue à ta place. Quelqu'un se doit de t'apprendre comment ça se passe par ici. Ça ne changeait quand même pas beaucoup. Je suppose qu'une vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller? C'est parti! Ça a changé une boîte de dialogue. Deux boîtes de dialogue. Tu vois, ce cœur, c'est ton âme, la somme de tout ton être. On peut se déplacer. Au début, ton âme est faible, mais devient plus puissante en gagnant des LV. C'est quoi LV? Bah, love, l'amour, évidemment. Tu veux de l'amour, non? Oui. Oui, il en a plein. T'inquiète pas, je vais t'en donner tout plein. Oui, le tout plein, il est pas vrai. Ici, l'amour se partage grâce à de petits pétales d'amitié. Ah, c'est plus mignon quand même. C'est bon pour toi? Bouge, attrape-en autant que tu peux. Aucune, voilà. Eh mon pote, tu les as ratés. On réessaye, d'accord? Je t'ai fait peur. C'est une blague, t'es débile. Fonce dans les projectiles. Oups, j'ai pas vu le texte. Mignon. Il fallait... J'ai pas eu le temps. T'as été touché. Oui, je sais, mais j'ai plus le temps. Imbécile, dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Moi, qui serait si stupide pour louper une occasion pareille? Est-ce qu'il va d'aller? Meurs! Je sais pas comment on fait pour les soulever ce truc. Il y avait rien à faire, mais... Okay. Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. Tu veux le faire, lui, en fait? Elle. Ce personnage, tu veux le faire? Elle. Respecte-la! Bon. J'en dis vite, non. Ah, n'aie crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Oh, mais ça s'écrit E-E-L et pas E-2-L. Même c'est une gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'est aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Par ici, je l'ai bien vu. J'espère juste que vous l'entendez suffisamment et pas trop. Musique rassurante. Une musique d'air. La petite toile. Ça sauvegarde. L'ombre des ruines se dessine au-dessus de vous, vous emplissant de détermination. PV entièrement restauré. Sauvegardez. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Prams, permets-moi de t'enseigner le fonctionnement de Wynne. Les ruines sont remplies d'énigmes. Le monde est rempli d'énigmes pour un autre énigme. Elle consiste en un amalgame archaïque de clés et subterfuges. C'est une belle phrase. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Apprête-toi à m'en voir souvent. Tu peux bouger. Que les intrépides s'avancent, les braves, les sots, ne passent pas par le centre. Ça sert à rien. C'est propre. Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Mais ne t'inquiète pas, j'ai marqué ce que tu dois actionner. Alors, c'est pas Z, c'est entrée pour moi en plus. Hein. C'est très rigolo que ce soit
Que ce soit sur un truc où il faille appuyer pour... oui. Rester sur le chemin. Bah. Mais il y avait trop de flèches. Donc là, il faut aller à celui-là et pas à l'autre. Superbe. Je suis fier de toi, mon enfant. Oui, elle aime tout le monde. Passons à la pièce suivante. Oui, Floé aussi. Non, comment ça, j'ai pas tout compris au jeu. Dans un autre monde, les humains sont victimes, sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer et faire face. Mais n'aie crainte. Le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Hein ? Essaie de gagner du temps, je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler au mannequin. Ici un insert de ce qui s'est passé la dernière fois pour que vous compreniez. Alors autant s'entraîner au combat sur un mannequin, je vois comment ça marche, autant s'entraîner à discuter avec un mannequin, c'est un petit peu plus vite comme façon de faire. Tu rencontres le mannequin. Tu peux fight, act, it. Et merci. Et pitié. Bon bah. Non. Alors, ah oui, mais non. Les mannequins ne sont pas là pour se battre, ils sont là pour s'entraîner à parler. À discuter. On va essayer de faire mieux cette fois. Pour rencontrer le mannequin. Action. Attends, menu de combat. Donc on a... reviens en arrière. Chat. Je sais pas. Non, le shift. Donc on a 4 actions possibles. Donc combat, ce qui attaque. Action, qui on verra juste après ça. Parler probablement vu le symbole. Ça a plein d'actions disponibles et ça dépend de l'ennemi en fait. D'accord, objet. Je objet, peux aller voir, oui, qui a rien normalement. Voilà, ça s'ouvre même pas. C'est un inventaire qui est limité en place, tu dois avoir de mémoire 8 emplacements disponibles. Et Clémence, c'est genre abandonné. Où? T'as deux options dans Clémence, épargné ou fuir. Ok, bon bah on va discuter vu qu'il avait dit qu'il fallait discuter. Non. Attends, dans l'action du coup, je j'essaierai de pas trop d'idées sur ce qu'il faut faire ou pas. Oui, parce que lui il connaît, moi pas. Ouais, moi j'ai fini le jeu. Ah. Deux fois pour des vraies raisons. Et pas trois. Pour d'autres raisons. Vous parlez en mannequin, mais semble pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel. D'accord. Waouh. 0 XP, 0 PO, nous sommes riches. Ah, très bien. Tu t'es débrouillé très bien. Cette fois, tu as parlé au mannequin. Il y a une autre énigme dans cette pièce, mais... je me demande si tu peux la résoudre. On voit la forme du chemin. Ouais, là, donc ça fait un... Un zigouicoui. Ouais, dans le jargon. Combat. Froggy, donc le croix-pot. Donc tu peux te battre ou faire une action. Croix-pot. Donc voilà, on aura souvent le choix entre plusieurs options. Examiner, on l'aura toujours, c'est pour voir les stades du monstre et on apprend un peu plus contre lui. Je vais regarder du coup. Ouais. Et ensuite, on a plusieurs choix. La vie est dure pour cet ennemi. Donc on apprend ses stats, mais c'est pas très très important. Mais on a une petite phrase qui nous explique un peu les trucs. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. Mais je voulais... Toriel a dit non. Je voulais le complimenter, comme la dernière fois. Il était gentil. La pièce à l'ouest sert de plan à celle de l'est. De gauche et droite pour les Antilles. Voici l'énigme, mais... Viens, prends ma main un instant. C'est trop mignon. Non, mais je montre bien mes mains pour montrer que je ne fais rien, en fait. C'est mignon, elle te tient par la main. Ouh, non, alors... Bon, de l'autre côté, c'est assez dangereux, mais bon. Ce que je veux dire, c'est pas mignon, c'est juste... Oui, c'est un peu dangereux, mais bon, c'est... Les énigmes ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Bah, dangereux...
dangereuse, oui, mais c'est pas compliqué quand même. Tu as été formidable jusqu'ici, mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. J'ai oublié ce que c'est. C'est très très dur. Je sais pas si je vais y arriver. L'un des deux, tu fais ça tout seul. Comme tu demandes. Il y a une vie stressante en vrai. Du coup, je devrais être stressé. Et t'as vu, là, j'ai même plus le temps de descendre. Ouais, je peux même pas marcher sur le chemin. J'en sais rien, moi, on m'a dit de marcher sur le chemin. Salutations, mon enfant. T'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. J'étais simplement derrière ce pilier devant tout ce temps. Elle t'observait. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Et comme tu ne peux pas voir au-delà de 15 mètres au-dessus de devant toi, tu l'avais pas vu. Cet exercice met toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. Ouais. Il y a quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller plus loin. Tout seul. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone porteur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. La traduction est bonne. Sois sage, d'accord ? Ça colle vraiment à ce qu'on avait vu la première fois. Attends. La dernière fois, on n'avait pas vu. Essaye d'ouvrir un menu. Normalement, t'as un menu que tu peux ouvrir. Voilà. Donc là, il y a des objets. Donc, vide pour le moment. Là, tes stats. J'ai un téléphone. Téléphone. Je peux faire téléphone ? Tariel est l'appareil. Hein? Tu vas m'appeler maman? Eh bien, si tu veux. Est-ce que ça te ferait plaisir? Je vais m'appeler mère. Alors, rappelle-moi dès que tu en as envie. On n'avait pas fait. C'est trop bien. Du coup, et si je refais l'âme? Attends, j'ai dit que c'était quoi? C'était le contrôle? Ok, ça. Ok. Mais on a toujours autant de points. Du coup, pour quitter ça, c'est Shift. Ring. L'autorité, elle est pareil. Non, maman, on a dit. Ne pas quitter la pièce, n'est-ce pas? Reste encore quelques énigmes pour l'un que je dois t'expliquer. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? Oui, maman. On croit pour vous. Quelques conseils à te donner pour affronter les monstres. Eh ben. Peluche. Peluche! Laisse les tortues tranquilles! Oui, cette phrase est bizarre. Bah, voilà. Espèce de tortionnaire, va. Bon, c'est vrai que je fais des bêtises. Bien sûr. Elle méritait bien sûr d'être punie, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas la question. Viens dire bonjour. Du coup, si tu effectues certaines actions ou si tu continues le combat jusqu'à les épuiser, il pourrait ne plus avoir envie de se battre contre toi. Si un monstre veut plus te combattre, s'il te plaît, fais preuve de clémence humain. Okay. Rappelle, clémence, c'était le... Oui, c'était la ligne des options. Ectoplasme s'approche de ça. Ouais, non, c'est hémoplasme, mais moi aussi j'ai lu. Moi aussi j'ai lu ectoplasme. Note que son nom est écrit en jaune. Et donc oui. Ok. Je te dis. Oh, il a l'air tout triste, je veux le consoler. J'espère que vous apprêtez à parler. Hémoplasme éclate en sanglots et s'enfuit. Faire crisser les feuilles avec espièglerie vous emplit de détermination. Mais bien entièrement restaurant. On va aller un tout petit peu plus loin parce que ça fait à peine 20 minutes. La dernière fois on s'était arrêté là. Voilà, on s'était arrêté là. On va essayer de faire des épisodes plus courts que sur. L'idée c'est de faire des épisodes de entre 20 et 40 minutes, plutôt 30. Et là, il y a des trucs qui Okay. Ah,
marqué prenez-en un. Prenez un bonbon. Je m'appelle Alice. Prenez un bonbon. Alors, c'est. Et maintenant, tu as un objet. Bonbon mousse. Soigne 10 bébés à un goût très prononcé. D'absence de réglisse. Quoi? Goût absence de réglisse. Certes. Bon bah c'était cool. Bah on va descendre là. Trois pots. Encore. Note que son nom est blanc. C'est où qu'on voit le nom? C'était au début. Papa n'a pas compris ce que vous avez dit, mais quand même flatté. Attention, fortement. Esquive la dalle. Raté. Je suis très nul. Voilà. Les combats, ça va être ça. Des enchaînements d'actions, on va faire une action dans le combat, que ce soit frapper, faire une action, utiliser un objet, ou utiliser une option de clémence. Oui, c'est la clémence. Et ensuite, ça va venir aux ennemis. Donc chaque ennemi a son pattern, d'attaque. Souvent ils en ont plusieurs qui alternent d'un tour sur l'autre, ils vont faire le round up. Ouais. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est un mix des patterns de chaque ennemi, mais en plus. Du coup, genre. Peut-être que son nom était grand. Oh, on n'a pas compris ce que vous avez dit, mais t'es quand même fait. Il rougit fortement encore. Je sais pas comment est-ce qu'il est tout là. Tu apprends, c'est pas grave. Mais on est d'accord que. Trois fois sans petit, l'idée de se battre. Je veux pas le menacer. En fait, on est d'accord que si je continue à le complimenter, mais que j'arrive enfin à passer son truc, ça va peut-être marcher. Je préfère que tu découvres pas. C'est aussi de l'exploration. C'est aussi de l'exploration. Il est quand même flatté. Je vais essayer d'esquiver pour une fois. Mais c'est compliqué, ok. On voit comment ça marche. Les petites mouches, elles viennent à peu près au centre. Oui, pas puis, après, puis ensuite elles font vers toi, elles font une ligne droite. Mmh. Puis elles s'arrêtent, puis elles recommencent. Mais du coup là je vois pas trop à part le menacer, j'ai pas envie. Il est quoi? La vie est dure pour un ennemi, pour cet ennemi. Ce type. Yves. Alors. L'idée c'est que tu mets sur un bord, en bas par exemple, et tu esquives qu'au fur et à mesure qu'elle arrive vraiment vers toi. Et du coup, je peux faire ça. C'est bien. C'est quoi ça? Note que c'est écrit en jaune. Oui. Hey, j'ai gagné TPO! Eh oui. Je suis riche, je vais me soigner. Vu comme je suis nulle, je pense que ce sera pas du luxe. Alors, fun fact, après qu'on ait tourné le premier faux épisode. Oui, celui dont vous avez envie de citer. Je crois. Non, il y a un des youtubeurs que je suis a découvert Undertale aussi sur sa chaîne. Mais tu peux dire que c'est si drôle, hein, je veux oui. dire. Et au premier ennemi, Croipo, il a perdu genre 12 PV. Il est pas. Mais bon. Finalement, ça va. Peut-être que son nom est écrit dans le jeu. Victoire. Mais j'ai rien gagné du tout. Vas-y, je me sens floué. C'est hémoplasme, c'est pas grave. Mais je me sens floué. Bon, je vais sauter dans la fosse au lion, écoute. Non, c'était un trou totalement imprévisible. Ça t'arrive sur des pieds. Mais Même. Mais il est quand même flatté. Il rougit. C'est trop mignon le zéro. Mais... plus bas. Pour faire ça. C'est là, tout en bas dans ce cas-là. Parce que là. Victoire. J'ai encore une idée déçue. Pardon. Je ne sais pas, je prends une porte au pif. Ah, je suis remontée. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça va m'en aller à bouger, rassure-moi. Bah écoute. Mmh. Je suis pas si évident, je suis désolée. Allô, Tori, elle est à l'appareil. Maman. Juste comme ça, que préfères-tu en fait? Je sais ta réponse. La cannelle et le caramel. Oh, je vois. Merci beaucoup. J'aime pas la cannelle.
Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Allô, Toriel, à Paris. Tu ne détestes pas la cannelle, si? Je connais tes préférences, mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord, d'accord, je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Non, la tarte aux pommes, vraiment que avec du caramel, s'il vous plaît. 3 rochers gris sur 4 vous recommande de les pousser. Je peux faire un si tu veux. Non, je veux continuer à m'entraîner parce que je suis vraiment nul. Tu n'as pas compris, mais il est traité. Quand même. L'autre en bas, l'autre en bas. Ah non, non, c'est l'autre pattern. T'as fait exprès de me tuer là, parce qu'il m'a fait super méga mal en plus. On va dire que ça va quand même. Mais pour 2 PO, ça fait cher les PV, hein. Alors... Là, il y a des feuilles, ok. Je sais pas sur les feuilles. J'ai essayé. Allez, allez. Ok. Il est éclaté. En bas. Attends. En bas. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ? Ouais. Oui, mais je me suis méfiée cette fois que ce soit pas le côté. Mais comme t'as vu, l'autre pattern, c'est juste une grenouille qui se met, qui oui, attend et qui saute. T'as le temps de l'avoir venu. Ok, bon bah je vais essayer de retrouver, il doit y avoir une porte un peu plus haut parce qu'il y avait une bouche d'aération. Voilà. Attends, est-ce que je peux aller là-bas? Ouais, je peux compris. Alors, normalement... Non, elles sont où les feuilles? Ah oui, non, c'est pas sur les feuilles. Oui, mais... Ah! G minuscule bloque le passage. Sont pas très durs au début les monstres. Oui mais écoute. Bon, ils rapportent rien non plus mais. Ouais c'est proportionnel. Du coup attends, c'est. Faut longer le truc. Ok. J'ai compris, évidemment que j'ai compris. Faut longer ici. C'est ton bas. Ouais, et après ça doit être à peu près ici. Ouais. Ensuite. Tu commences à comprendre. J'ai retenu le pattern. Yeah. Ok. Rappelle, 3 rochers sur 4, donc on va être poussé. Ouais, il y en a un qui va pas pouvoir, mais je sais pas lequel. On peut voir ces deux. J'ai pas trop le choix là. C'est le quatrième qui est le seul truc que je fasse. Non, c'est celui-là, c'est celui-là. Et là, partenaire, qui a dit que tu pouvais me pousser? Hein? Ou tu me demandes de bouger? Ok, juste pour toi, mon lapin. Hein? Tu veux que je bouge encore un peu? Déconnec, ça va comme ça? Hein? C'était la mauvaise direction. Ok, je crois que je vois. Tu veux que je reste dessus? C'est ce que je ferais pas pour toi. J'aimerais bien lui faire un bisou. Ah, on va s'arrêter là. Savoir que la souris sortira peut-être un jour de son trou pour manger le fromage, cela vous emplit de détermination. Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que c'est la bonne chose. Attends, on explore au moins cette salle, on a parlé d'une souris, il y a du fromage. Bon d'accord. Vous, sur ma parent, ce fromage est ici depuis assez longtemps. Il est collé, ça va. Bon, bah, je vais explorer la pièce, c'est bon. Il y a un trou. Je sais. Ça a fait tweet. Ok. Bon, c'est pas la peine de re-sauvegarder, je pense, si.
ça aurait pu avoir déclenché le sucre, je sais. Du coup, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Donc là, on est samedi, ça sort un samedi. On va les publier le mardi. Des épisodes pas trop longs comme ça. Dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à faire tous les retours que vous voulez. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!